Voilà, on est parti. On a dû dire au revoir à Robin et Dylan. Ça faisait 2 semaines qu'on était avec eux et on les reverra pas avant la fin du mois de septembre. Ouais, début du mois d'octobre, donc dans au moins 3 mois. Du coup, là, avec Nicolas, on prend la direction de Myrdal d'abord, puis Oslo cet après-midi. Et pour l'instant, on est sur la ligne de train qui, soi-disant, est la plus belle d'Europe. Donc on va voir ça, on vient de partir. C'est vraiment un train à l'ancienne. C'était la particularité de cette ligne. Je ne sais pas si vous en rendez compte ici. Mais c'est que la pente est extrêmement raide. On est en train de monter avec un pourcentage assez important que je ne sais plus exactement la valeur, je pourrais vous le dire tout à l'heure. Mais c'est assez impressionnant, à mon avis, le train il va avoir un énorme coup pour pouvoir monter ça. Du coup, c'est assez impressionnant. Là, on est déjà très haut par rapport à la rivière. Alors qu'il y a 5 minutes, on était au même niveau que la rivière. Là, on est parti il y a un quart d'heure et on vient de passer tout juste une gare qui se trouve à 200 mètres d'altitude. Alors que la gare de départ était à 3 mètres d'altitude. Donc, en un quart d'heure, on a déjà monté 197 mètres. Là on sort du train pour la première fois parce qu'il y a un point de vue assez impressionnant. Je me prends plein d'eau à la gueule, c'est horrible, mais c'est vachement beau. Je suis trempé comme s'il avait énormément plu, donc du coup on est retourné se mettre à l'abri. C'est vachement impressionnant cette cascade, je pense que Nicolas aura pu la faire en kayak. et voilà. Si vous voulez, ça fait le même effet que quand il y a une énorme averse qui tombe sur vous, sauf que là au-dessus de vous le ciel est bleu, c'est assez bizarre. Vérifier au maximum, le gradient maximum de cette montée, c'est 55%, donc c'est quand même pas mal. Puis on vient de calculer avec Nico, on a fait environ 25 km en environ 1 heure, donc le train ne va qu'à 25 km/h sur cette montée. Arrivé à Myrdal, donc Myrdal c'est juste une petite station de train, une gare, je suis même pas sûr qu'il y ait un village, et ça se trouve sur la ligne Bergen-Oslo, donc une des lignes les plus importantes de Norvège. Donc là on va prendre le train dans quelques minutes pour aller à Oslo. C'est donc la fin de cette vidéo. Pour notre arrivée à Oslo, je vais faire une autre vidéo. Donc à plus et YOLO.